Mélissa était de retour pour une nouvelle participation dans N'oubliez pas les paroles sur France 2 ce mercredi 27 novembre 2024. Dans le premier numéro du jeu animé par Nagui, elle était opposée à Elodie. À l'issue de la première manche, elle mène sur le score de 40 à 0. Lors de la même chanson, elle se trompe rapidement sur « En chantant » de Michel Sardou. Mais son adversaire n'en profite pas. Mélissa gagne son duel sur le score de 88 à 8. En finale, sur « Ça va, ça vient » de Liane Folly, la maestro ne remporte pas d'argent. Dans la seconde édition de « N'oubliez pas les paroles », Mélissa affrontait Laura. À l'issue de la première manche, la maestro mène sur le score de 50 à 20. Lors de la même chanson, portant sur le titre « Mourir sur scène » de Dalida, elle se trompe rapidement. Mélissa, qui avait été maestro en 2022, pense connaître la chanson. Mais la candidate a un trou de mémoire et rate l'opportunité de reprendre le micro d'argent. Mélissa a eu très chaud puisqu'elle remporte son duel sur le score de 73 à 69. En finale, sur « Ma vie dans la tienne » de Lara Fabian, elle remporte 1000 euros. La cagnotte de Mélissa s'élève à 33 000 euros en cette victoire. Ces deux numéros de N'oubliez pas les paroles, proposés entre 18h40 et 19h48, ont respectivement réuni 2,05 et 2,86 millions de téléspectateurs, soit 14,1% et 16,7% de parts de marché sur les 4 ans et plus. Sur une semaine, le jeu animé par Nagui, qui a récemment annoncé un grand changement, perd respectivement 1 et 0,1 points de parts d'audience. Par ailleurs, le vendredi 29 et samedi 30 novembre 2024, comme chaque année, N'oubliez pas les paroles ne sera pas diffusé sur France 2 en raison du Téléthon. En revanche, Nagui sera bien à l'antenne avec Sophie Davant dès 18h40. Cela dit, les samedis suivants, l'animateur va être contraint au départ. En effet, le samedi 7 décembre 2024, France 2 consacrera l'intégralité de sa journée et soirée à la réouverture de Notre-Dame avec à 18h30, sur le créneau de N'oubliez pas les paroles, la cérémonie de cet événement. La semaine suivante, le samedi 14 décembre 2024, à 18h05, la chaîne proposera les championnats du monde de natation. Ainsi, c'est un départ forcé pour Nagui sur la case du samedi, puisque son jeu musical sera supprimé pendant 3 samedis, mais il sera bien maintenu la semaine. Mélissa tentera de conserver son micro d'argent ce jeudi 28 novembre 2024 dès 18h40 dans N'oubliez pas les paroles sur France 2.